Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Papa, Limo histoire. Je vous propose aujourd'hui de débuter la lecture du livre de la Comtesse de Ségur, Les malheurs de Sophie. Avant de commencer la lecture, je vous propose d'expliquer de, quelques petites choses qui nous permettront de mieux comprendre euh, l'histoire ensuite. Donc tout d'abord, la comtesse de Ségur est quelqu'un qui a vécu euh, il y a plus de deux siècles maintenant. Elle est née en 1799, donc elle est née à la toute fin du 18e siècle. Elle est née à, il y a plus de 200 ans. Ceci explique quelques petites des éléments qui vont vous paraître un petit peu, euh, on va dire, dépassés dans l'histoire. C'est évident, l'histoire s'est déroulée il y a très longtemps. Pour autant, les réactions des différents acteurs de l'histoire sont toujours très actuelles. Les relations entre les parents et les enfants, les enfants qui font des petites bêtises, petites ou grosses d'ailleurs, on le verra dans l'histoire, tout ça n'a pas beaucoup évolué. Ensuite, la comtesse de Ségur, comme son titre de noblesse l'indique, était issue d'un milieu relativement aisé. Sa famille avait de l'argent et ça lui permettait notamment d'avoir recours aux services du personnel de maison. Sophie pouvait bénéficier des services de ce qu'on appelait une bonne, c'est-à-dire une personne qui s'occupait d'elle à longueur de journée qui s'assurait qu'elle mangeait correctement, qu'elle s'habillait correctement, qu'elle se lavait, euh, l'empêchait éventuellement de faire des bêtises sans, vous le verrez, toujours y parvenir. Euh, C'était quelqu'un qui participait largement à l'éducation des enfants, et donc de Sophie en particulier, euh, et qui était payé par les parents de Sophie. La Sophie de l'histoire, il faut aussi le savoir, euh, c'est un euh, une, une personne que l'auteur connaît très bien, puisque le prénom de la comtesse de Ségur, c'était Sophie. En fait, elle raconte ni plus ni moins que ses souvenirs d'enfance. Alors, ça n'est pas une réplique exacte de ce qu'elle qu avait en mémoire, elle a forcément modifié et enjolivé. Euh, ou, ou juste modifié, hein, sans forcément toujours enjoliver, elle a pu même obscurcir certains points, mais c'est largement appuyé sur son histoire, euh, sans toutefois être une, autre, une autobiographie, mais euh, elle s'appuie sur son histoire à elle, euh, ce sont ses souvenirs qui apparaissent, et euh, les souvenirs d'une dame qui, qui se penche sur sa vie euh, et essaye de se remémorer euh, comment elle a fait pour grandir. Voilà, ces quelques petits points euh, étant donnés, on va pouvoir commencer la lecture. Alors, on est bien installé, on est prêt à écouter. Allez, on y va. Chapitre 1 La poupée de cire. Ma bonne, ma bonne dit un jour Sophie en accourant dans sa chambre. Venez vite ouvrir une caisse que papa m'a envoyée de Paris. Je crois que c'est une poupée de cire, car il m'en a promis une. Où est la caisse dans l'antichambre. Venez vite, ma bonne, je vous en supplie. La bonne posa son ouvrage et suivit Sophie à l'antichambre. Une caisse de bois blanc était placée sur une chaise. La bonne l'ouvrit. Sophie aperçut la tête blonde et frisée d'une jolie poupée de cire. Elle poussa un cri de joie et voulut saisir la poupée qui était encore couverte d'un papier d'emballage. Prenez garde, ne tirez pas encore, vous allez tout casser. La poupée tient par des cordons. Cassez-les, arrachez-les, vite, ma bonne, que j'ai ma poupée. La bonne, au lieu de tirer et d'arracher, prit ses ciseaux, coupa les cordons, enleva les papiers, et Sophie put prendre la plus jolie poupée qu'elle eût jamais vue. Les joues étaient roses avec des petites fossettes, les yeux bleus et brillants, le cou, la poitrine, les bras en cire, charmants et potelés. La toilette était très simple une robe de percale festonnée, une ceinture bleue, des bas de coton et des brodequins noirs en peau vernie. Sophie l'embrassa plus de vingt fois. Et la tenant par ses bras, elle se mit à sauter et à danser. Son cousin Paul, qui avait cinq ans et qui était en visite pour quelques jours chez Sophie, accourut au cri de joie qu'elle poussait. « Paul, regarde quelle jolie poupée m'a envoyé papa !» s'écria Sophie. « Donne-la-moi que je la vois mieux. Non, tu la casserais. Je t'assure que j'y prendrai bien garde. Je te la rendrai tout de suite. » Sophie donna la poupée à son cousin en lui recommandant encore de prendre bien garde de la faire tomber. Paul la retourna, la regarda de tous les côtés, puis la rendit à Sophie en secouant la tête. Pourquoi secoues-tu la tête Parce que cette poupée n'est pas solide. Je crains que tu ne la casses. Oh, sois tranquille, je vais la soigner tant, tant, que je ne la casserai jamais. Je vais demander à maman d'inviter Camille et Madeleine à déjeuner avec nous pour leur faire voir ma jolie poupée. Elles te la casseront non, elles sont trop bonnes pour me faire de la peine en cassant ma pauvre poupée. Le lendemain, Sophie peigna et habilla sa poupée, parce que ses amis devaient venir. En l'habillant, elle la trouva pâle. Peut-être, se dit elle, a t-elle froid? Ses pieds sont glacés. Je vais la mettre un peu au soleil pour que mes amis voient que j'en ai bien soin et que je la tiens bien chaudement. Sophie alla porter sa poupée au soleil sur la fenêtre du salon. Que fais-tu à la fenêtre, Sophie lui demanda sa maman. Je veux réchauffer ma poupée, maman, elle a très froid. Prends garde, tu vas la faire fondre. Oh non, maman, il n'y a pas de danger, elle est dure comme du bois. Mais la chaleur la rendra molle, il lui arrivera quelque malheur, je t'en préviens. Sophie ne voulut pas croire sa maman. Elle mit la poupée étendue tout de son long au soleil, qui était brûlant. Au même instant, elle entendit le bruit d'une voiture. C'était ses amies qui arrivaient. Elles coururent au devant d'elles. Paul les avait attendues sur le perron. Elles entrèrent au salon en courant et parlant toutes à la fois. Malgré leur impatience de voir la poupée, elles commencèrent par dire bonjour à Madame de Réan, la maman de Sophie. Elles allèrent ensuite à Sophie qui tenait sa poupée et la regardait d'un air consterné. La poupée est aveugle, elle n'a pas Dieu. Quel dommage, comme elle est jolie mais comment est-elle devenue aveugle Elle devait avoir des yeux, dit Madeleine. Sophie ne disait rien. Elle regardait sa poupée et pleurait. Je t'avais dit, Sophie, qu'il arriverait malheur à ta poupée si tu t'obstinais à la mettre au soleil. Heureusement que la figure et les bras n'ont pas eu le temps de fondre. Voyons, ne pleure pas. Je suis très habile médecin, je pourrais peut-être lui rendre ses yeux. C'est impossible, maman, ils n'y sont plus. Madame de Réan prit la poupée en souriant et la secoua un peu. On entendit comme quelque chose qui roulait dans sa tête. Ce sont les yeux qui font le bruit que tu entends, dit Madame de Réan. La cire a fondu autour des yeux et ils sont tombés. Mais je tâcherai de les ravoir. Déshabillez la poupée, mes enfants, pendant que je préparerai mes instruments. Aussitôt, Paul et les trois petites filles se précipitèrent sur la poupée pour la déshabiller. Sophie ne pleurait plus, elle attendait avec impatience ce qui allait arriver. La maman revint, prit ses ciseaux, détacha le corps cousu à la poitrine, les yeux qui étaient dans la tête tombèrent sur ses genoux. Elle les prit avec des pinces, les replaça où ils devaient être, et pour les empêcher de tomber encore, elle coula dans la tête et sur la place où étaient les yeux de la cire fondue qu'elle avait apportée dans une petite casserole. Elle attendit quelques minutes que la cire fût refroidie, et puis elle recousit le corps à la tête. Les petites filles n'avaient pas bougé. Sophie regardait avec crainte toutes ces opérations, elle avait peur que ce ne se fût pas bien. Mais quand elle vit sa poupée raccommodée et aussi jolie qu'auparavant, elle sauta au cou de sa maman et l'embrassa dix fois. Merci, ma chère maman, disait-elle, merci, une autre fois je vous écouterai, bien sûr. On rhabilla bien vite la poupée, on l'assit sur un petit fauteuil, et on l'emmena promener en triomphe en chantant. Vive maman de baiser, je la mange Vive maman, elle est notre bon ange La poupée vécut très longtemps, bien soignée, bien aimée Mais petit à petit elle perdit ses charmes Voici comment Un jour Sophie pensa qu'il était bon de laver les poupées, puisqu'on lavait les enfants Elle prit de l'eau, une éponge, du savon et se mit à débarbouiller sa poupée. Elle la débarbouilla si bien qu'elle lui enleva toutes ses couleurs les joues et les lèvres devinrent pâles comme si elle était malade et restèrent toujours sans couleur. Sophie pleura, mais la poupée resta pâle. Un autre jour, Sophie pensa qu'il fallait lui friser les cheveux. Elle lui mit donc des papillotes. Elle les passa au fer chaud pour que les cheveux fussent mieux frisés. Quand elle lui ôta ses papillotes, les cheveux restèrent dedans. Le fer était trop chaud. Sophie avait brûlé les cheveux de sa poupée qui était chauve. Sophie pleura, mais la poupée resta chauve. Un autre jour encore, Sophie, qui s'occupait beaucoup de l'éducation de sa poupée, voulut lui apprendre à faire des tours de force. Elle la suspendit par les bras à une ficelle. La poupée, qui ne tenait pas bien, tomba et se cassa un bras. La maman essaya de la raccommoder. Mais comme il manquait des morceaux, il fallut chauffer beaucoup la cire, et le bras resta plus court que l'autre. Sophie pleura. Mais le bras resta plus court. Une autre fois... Sophie songea qu'un bain de pied serait très utile à sa poupée, puisque les grandes personnes en prenaient. Elle versa de l'eau bouillante dans un petit seau, y plongea les pieds de la poupée, et quand elle la retira, les pieds étaient fondus et étaient restés dans le seau. Sophie pleura, mais la poupée resta sans jambes. Depuis tous ces malheurs, Sophie n'aimait plus sa poupée qui était devenue affreuse, et dont ses amis se moquaient. Enfin, un dernier jour, Sophie voulut lui apprendre à grimper aux arbres. Elle la fit monter sur une branche la fit asseoir mais la poupée qui ne tenait pas bien tomba sa tête frappa contre des pierres et se cassa en cent morceaux sophie ne pleura pas mais elle invita ses amis à venir enterrer sa poupée et voilà c'est fini pour aujourd'hui nous avons terminé le chapitre 1 qui commence assez mal puisque sophie fait une première bêtise en martyrisant sa poupée de cire nous verrons donc Demain ou une autre fois peut-être. Le chapitre 2, l'enterrement. Allez, à bientôt. Et j'espère vous revoir bien vite sur Parpa, lis-moi une histoire. A bientôt. Au revoir.